simplement s'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus. Parce qu'il est là au milieu de nous. Et il est capable de nous toucher au milieu de chacun de nos besoins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu es digne d'adoration, Seigneur? Yeah.
voisine. Tu as une âme puissante. Ta louange est une âme puissante. Puissante contre n'importe quelle situation. Laisse-moi te dire, lorsque ce cri sort du plus profond de ton cœur et tu commences à élever le nom de Dieu, il siège au milieu de ton âme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire siéger? Siéger, ça veut dire prendre domination sur le camp de l'ennemi. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir. Amen. Lorsque Dieu siège au milieu de ton adoration, il regarde autour de toutes ces situations qui t'ont rendu dans la détresse. Et il dit ça, tu tombes au nom de Jésus. Je nous fléchis à la mention du nom de Jésus. Il a dit celui qui crie. Amen. Mais
Le Seigneur est bon, amen. Est-ce que le Seigneur a été bon pour nous? Est-ce que le Seigneur... La louange est la chose la plus puissante qu'un chrétien peut avoir. Et ce moment vous dire, si vous voulez être victorieux chaque jour de votre vie, ne manquez point de louer le Seigneur. Amen. Ce qui va vous faire gagner tous les combats et vous allez être victorieux dans le nom du Seigneur. Amen. Il y aura des combats, mais nous gagnons les combats à genoux et avec la voix. Alléluia. En adorant le Seigneur. Donc le Seigneur a vraiment mis à cœur de vous apporter quelque chose qui va sûrement nous aider. Je sais que le pasteur Carosi vous enseigne déjà tout ce qui est bon. Amen. On a la viande, on a le steak. Et moi j'aimerais vraiment être comme le prédicateur qui disait je vais être le cure dans la main. Je vais juste apporter une petite graisse de sel qui pourra peut-être nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Dis à ton voisin, qui est ton modèle? Amen. Tu marches sur les traces de qui? Si le pasteur Yannick peut prier pour nous, pour que ces paroles puissent nous toucher. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour le frère Roll et son épouse Sacha Alia qui sont ici pour nous bénir par ce ministère, papa. Nous prions pour l'église de Saint-Jérôme. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que tu touches forcément, papa, et que tu sois serviteur, que tu l'utilises pour qu'il nous transmette ta parole, la parole qui vient directement des cieux, papa. Que ta main soit sur nous, fortifie nos cœurs et que nous écoutions, nous puissions sensibles à ta parole. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, j'aimerais juste remercier mon épouse d'être là avec nous. Amen. Marie, amen. Yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Plus seul, amen. Moi, je l'appelle la source de la multiplication. Amen. Mm-hmm. Alléluia. Tout ce que je donne est multiplié. Rababo. Amen. Je vais donner l'amour, elle m'a multiplié rapidement. Amen. Il y en a beaucoup qui vont venir. Alléluia. Amen. Les gens ici aiment le mariage. Amen. Amen. Il y a le frère Saint-Christ qui va se marier. Alléluia. Encore il y a une raison cachée derrière. Amen. Et vous allez savoir la raison aujourd'hui. Il y a le frère Stéphane qui se marie. En une année, il multiplie les mariages comme si c'était le pain. Amen. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question, mais pourquoi ça arrive? Amen. Pourquoi la bénédiction ne fait que se multiplier au lieu de diminuer? Il y a sûrement quelque chose qu'ils font que les autres ne font pas. Amen. Nous sommes dans des temps difficiles. Là où les gens divorcent, nous, on s'est marié. Alléluia. Alléluia. Si tu es célibataire, dis, je veux copier quelqu'un aujourd'hui. Je vais copier quelqu'un. Amen. Parce que ça va marcher. Si le doyen se marie, moi aussi, je veux le marier. Et je veux savoir le secret du doyen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Quel est ton modèle favori aujourd'hui? Dans la vie de tous les jours, nous avons des modèles. Amen. Amen. Des personnes que nous observons. Ces personnes-là, nous les regardons chaque jour, nous voyons ce qu'ils font. Moi, avant de venir au Seigneur, j'étais comme prêcheur. Amen. J'avais beaucoup de cheveux, j'avais des boucles oreilles. Et j'étais beau. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai les cheveux coupés, mais ce n'est pas grave. Amen. J'ai trouvé un autre modèle, c'est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le normal de quoi? Il mérite qu'on puisse le suivre à tout moment. Donc, je suivais tout ce que l'artiste Asher faisait. Quand il postait une photo, j'étais là, je disais, waouh, il a encore quelques coupes de cheveux. C'est quoi cette veste? Je veux porter cette veste parce que je vais être comme lui. Amen. Amen. Et là, je copiais tout ce qu'il faisait. Un modèle, c'est quelqu'un, c'est un exemple qui a un caractère, quelque chose qui nous attire chez cette personne-là. Et on veut ressembler à cette personne. Amen. Pose-toi la question au fond de ton cœur. Quel est ton modèle aujourd'hui? Ce n'est pas par hasard que j'ai parlé de mariage. Nous voyons que les mariages se multiplient. Donc ça veut dire que ces personnes ont regardé un modèle particulier, ils ont suivi une façon de faire, amen, qui va donner la réussite. Nous ne pouvons pas prendre pour modèle, par exemple, quelqu'un qui échoue. Amen. Mm-hmm. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de quelqu'un qui échoue? Satan.
Est-ce qu'il y a alléluia. Satan a échoué. Amen. Est-ce que quelqu'un va se lever ici? Moi, je vais être comme Satan. Amen. On veut toujours copier celui qui gagne. C'est ça. Alléluia. Amen. On veut copier celui qui gagne, celui qui a la victoire. Mm-hmm. Celui qui va avoir le meilleur à offrir. Mm-hmm. Mais nous, souvent dans le monde, nous copions des modèles qui ne vont rien nous donner. Alléluia. Amen. Quand l'acheteur gagne son argent, moi je contemple seulement les photos. Amen. Amen. C'est vrai. Il est une star. Mais moi je ne peux pas devenir une star pour lui. Mais il y a un qui est le modèle parfait. Et il a dit, si vous faites ce que lui a fait, vous allez devenir comme lui. Amen. Amen. Et c'est celui-là que nous devons suivre en créant notre vie. Je vais prendre comme exemple une référence de ma propre vie dans la maison de Dieu. Je suis quelqu'un qui a progressé, on peut dire, très vite dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Combien d'années, si quelqu'un peut élever la main et dire, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans qu'il est à l'église. Combien? Quelqu'un peut me donner un chiffre, sauf ceux qui me connaissent. Qui? 3? 3 ans? Quelqu'un d'autre? Combien d'années le frère Roll a fait dans cette église, pour ceux qui sont avec lui? Les nouveaux, ils m'ont dit peut-être qu'il est là depuis 150 ans. Mais il fait partie des meubles. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a une idée? 4. On est proche. 6. On a dépassé. 5 ans. Vous imaginez ce que l'Éternel des armées a fait pour moi? Ça fait 5 ans. Aujourd'hui, je suis capable, par la grâce du Seigneur, de me présenter devant vous après 5 années. 5 ans dans le passé. Je n'étais pas là devant. 5 ans dans le passé, j'étais dans le monde, je buvais de l'alcool, je faisais la fête, j'avais beaucoup de cheveux avec des boucles d'oreilles. Est-ce que les gens peuvent s'imaginer que j'avais des boucles d'oreilles? Non, mais j'ai les oreilles percées. Ah oui? Oui. Amen. Si on avait les photos, on allait vous montrer, mais j'étais comme ça. Je pense que c'était chez la famille Dona que j'étais arrivé la première fois. J'ai été gagné au Seigneur par maman Nancy. Parce que j'avais justement à cause de mes cheveux. Amen. Dis à ton voisin, tes cheveux peuvent te sauver. Amen. Et là, maman Nancy, je l'ai rencontrée au métro. On se connaissait juste comme ça. Et elle m'a dit un jour, tu sais qu'il n'est pas bon pour un homme d'avoir les cheveux longs. Et j'ai dit, ah bon? Si c'est écrit dans la parole de Dieu, je veux faire ce que tu as dit. Ça, c'était mon premier modèle. La parole de Dieu. J'ai dit, je veux faire. Je suis rentré chez moi. Elle m'a dit, c'était dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Je suis allé, j'ai fouillé, j'ai lu. Et j'ai trouvé cela. J'ai dit, ok. J'ai pris ma tondeuse le même soir. J'ai coupé mes cheveux. Mm-hmm. Oui, maman. C'est parce que tu as fait des aînés. Oui, tout le monde a fait. Oui. Même le païen a fait. Parce que ce n'était pas la première fois que tu es venu. Je suis venu à l'église la première fois. C'était juste un anniversaire. Invité, dès que je suis arrivé, j'ai vu pasteur Lionel, pasteur Kanzi, je disais, mais il parlait en langue, chabalaba, yaba, je dis, hé, ça c'est la chétienne. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il y a pasteur Lionel qui était venu me dit, tu veux qu'on prie pour toi? J'ai dit, non. Dès que je suis sorti, je ne suis plus jamais revenu. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est en train de travailler, amen. Amen. Et il avait mis la douce maman Nancy sur mon chemin. C'était son cousin qui m'avait présenté la soeur Nancy et par hasard comme ça on s'était rencontré dans le métro. Elle m'avait dit, oh mais je te connais. Et là elle m'a donné cette parole, une seule parole. Et me voilà aujourd'hui, 5 ans plus tard. Waouh, est-ce qu'on peut battre le même là? L'Éternel sonde nos cœurs et il cherche ses enfants partout où ils sont. 5 ans plus tard, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une maison, 2 voitures. Waouh! C'est une bonne chose qu'on aime entendre. Amen. Mais je ne suis pas arrivé par là juste comme ça par ma vie. Amen. On m'a donné la direction d'une église que je ne voulais même pas. Un jour, on a annoncé à l'église, oh, pasteur Crozier a dit, oh, le frère, on l'a dit,
il va me parler à Saint-Jean. Je dis, hé, moi, le frère, depuis quand? Deuxième modèle, la soumission à l'homme de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La soumission à l'homme de Dieu. Je n'avais aucune capacité. Je n'étais même pas capable de diriger une église. Mais il m'a juste dit, vas-y. Et je suis allé, j'ai suivi ce que l'homme de Dieu a dit. Et me voilà aujourd'hui. Je me présente devant vous par la grâce du Seigneur. Dieu n'attend pas de nous des capacités. Dieu attend seulement que nous puissions accepter sa mission et que nous puissions le faire. Nous sommes le plus beau peuple qui existe à Montréal. Amen. Est-ce que quelqu'un sait cela? Est-ce que quelqu'un sait qu'il n'y a pas plus beau que toi? Amen. Parce que tu reflètes la gloire de Dieu à Montréal. Alléluia. Et tu es impuissant. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Combien de personnes ont le Saint-Esprit ici? Donc, vous êtes tous puissants. Dis à ton voisin, tu es puissant. Non, dis-le sincèrement. Tu es puissant. Tu es puissant. Amen. Pourquoi tu es puissant? Juste parce que le Seigneur Jésus l'éclate. Alléluia. Et que la puissance de ton témoignage peut changer une vie. Amen. 5 ans plus tard, quand je regarde ce que j'étais et ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à une seule chose. Dieu m'a doté d'un esprit critique et un esprit de copie. Ça, c'est moi le frère. Il y a une seule chose que je sais faire. Observer les gens et copier. Ça, c'est le frère. Je ne suis pas un expert en quoi que ce soit, mais je sais faire une seule chose. Observer et copier ce qui est bon. Ça, c'est le secret qui m'a conduit jusque-là aujourd'hui. J'observe et je copie ce qui est bon. Amen. Je vais vous prendre certaines personnes que j'ai copiées ici dans la maison de Dieu. Le frère Serge, lui, c'est mon papa. Amen. Quand je suis arrivé à l'église, c'est lui qui est le premier, il m'a accueilli. Je suis venu, je ne savais pas quoi faire dans la maison de Dieu. Je disais, Seigneur, tu m'embarques dans quoi? Les gens qui parlent en langue, qui chassent les démons. Je ne connaissais pas Dieu à l'époque. Mais regardez ce que l'Éternel a fait, parce que j'ai oublié une seule personne. Partout le frère Serge allait, il m'a mené. Alors on a prié chez Papa Didier. Quand Papa Didier était malade à l'époque, on allait reprier pour eux. Ah, j'ai désolé. Donc ça se passe comme ça. Et là, j'ai copié. Maintenant, tu m'envoies prier. Je mets la main sur n'importe qui. Parce que je sais que l'onction qui est sur lui va demeurer sur lui. Pourquoi? Parce que j'ai copié ce qu'il a fait. Amen. Nous n'avons pas besoin de suivre d'autres personnes parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Une autre personne. J'ai appris à prêcher comme frère Serge. Quand vous me voyez parler, vous voyez des fois, je crie yeah! Ça, c'est le frère Serge. Amen. Et je chante comme lui, j'adore comme lui, je crie comme lui. Quand j'ouvre le service, ah! Amen. Mais moi, je suis petit, lui, les grands. Alléluia. Il y a une personne aussi que j'ai copiée. C'est le frère Yannick que vous voyez ici. Le frère Yannick est un modèle, le frère. Vous savez en quoi il est un modèle? Peut-être que vous n'allez pas savoir. Mais j'ai appris à prier avec le frère Yannick. Quand j'habitais chez lui, le frère Yannick se levait tous les matins, très tôt, à 5 heures du matin. Je dormais juste à côté de lui, de sa chambre à côté. Et j'entendais quelqu'un qui marchait tout. Tous les matins, et sans me réveiller. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis allé à sa porte un jour, j'ai mis l'oreille, j'ai observé. Je l'ai entendu prier. Je lui ai dit, moi aussi, je vais me mettre à prier comme le frère. Et j'ai commencé à prier pour le frère. J'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier. Et il m'a observé aussi. Il a dit, ce que tu fais, je me rappelle, ce que tu fais, ça va t'amener très loin. Dans la maison de Dieu, parce que je vois que tu as pu suivre des bonnes traces. Amen. Et me voilà aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai passé 150 ans à l'église que je suis là aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai appris à copier. Alléluia. Une autre personne. Frère Yannick, c'est un adorateur. Amen. C'est quelqu'un qui loue beaucoup. Je ne suis pas venu à l'église. Vous pouvez regarder les vidéos. Quand je venais la première fois, je m'asseyais au fond parce que je ne savais pas. Mais quand je l'ai observé, j'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Il y a sûrement quelque chose qui le tire de cela. Lorsque la parole de Dieu dit, louez l'Éternel avec tout ce que vous avez,
Je vois le frère Yannick qui donne tout. Amen. Il donne tout ce qu'il a. Et même s'il est fatigué, il adore Dieu. Et je me suis saisi de ce modèle-là. J'ai dit, je veux devenir un adorateur. Quelqu'un qui loue comme le frère Yannick. C'est pour cela que vous voyez le frère aujourd'hui. Il loue comme un fou. Amen. Même s'il n'y a personne, je veux louer l'Éternel. Parce que j'ai observé quelqu'un et j'ai vu qu'il le faisait. Et il le faisait très bien. Et il était fidèle à ces choses. Et j'ai copié le frère Yannick. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, quel est ton modèle favori? Alléluia. Merci Seigneur. Une autre personne que j'ai observée, c'est par exemple le frère Achille. Ça, c'est mon jumeau, amen. On est né la même année, le même mois, et on a juste quelques jours de différence. On a le même numéro de téléphone, et c'est spécial. Mais c'est mon jumeau. Le frère Achille a eu à cohabiter avec moi avant son mariage, on dormait dans la même chambre. J'ai aussi copié le frère Achille. C'est un évangéliste puissant. Amen. Il est petit comme moi, mais quand il attrape une âme, il ne lâche pas le morceau. Amen. Il est là, tu dois venir à Dieu, tu dois venir à Dieu. Amen. Et c'est quelqu'un de fidèle. Mmh. Alléluia. Amen. Ça, c'est une personne que j'ai observée. C'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui. Même la difficulté qui peut arriver, je dois observer le frère Achille. Il n'abandonne pas. C'est pour cela qu'il est le dirigeant de l'évangélisation aujourd'hui. Alléluia. Amen. Observe et fais ce que la personne fait de bien. Toutes ces personnes ne sont pas parfaites quand même. Mais j'apprends à copier ce qui est bon. Et ce qui est mauvais dans leur vie me sert d'exemple pour que je ne puisse pas le faire. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le frère Yannick aime faire. Il aime jouer au soccer. À l'époque, moi aussi, j'aimais jouer au soccer. On partait tout le temps. Mais Dieu, le soccer avec moi, c'est toute une autre affaire. Parce que je suis boosté. Amen. J'ai beaucoup d'énergie. Je parle et puis je dérange les gens. Amen. Parce que j'aime ça, les challenges. Et là, le Seigneur m'a dit, ne joue plus au soccer. Mmh. Comment ça, c'est le soccer? C'est quand même quelque chose qui me passionne. Et à chaque fois que je joue au soccer, quelqu'un me fait mal, toujours. Et Dieu me disait à chaque fois, arrête. Je voulais copier tout ce que le frère faisait. Alléluia. Et un jour, la dernière fois que je joue au soccer, on jouait encore avec le frère Yannick. J'étais dans mon camp. Je jouais en défense, je disais, aujourd'hui, là, je ne veux pas me faire mal. Je me suis mis derrière, je vois un de mes coéquipiers. La balle est de l'autre camp. Il vient en arrière, il me tape. J'ai dit, mais j'ai encore eu mal ce jour. J'ai dit, waouh! Là, le Seigneur ne voulait pas que je joue. Amen. Copiez ce qui est bon. Amen. Amen. Mais ne prenez pas tout. Parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas être bonnes pour vous. Amen. Amen. Si tu as de la difficulté à courir et tu vas dire, tu vas faire le marathon comme tu vas y aller à l'église. Tu vas te retrouver dans une civière, on va te mettre à l'hôpital, amen. Alléluia. Amen. Donc on copie avec sagesse, amen. Amen. Que quelqu'un dise avec sagesse. Amen. Une autre personne que j'ai copiée, c'est le frère Didier. Je le mets dans un paquet parce qu'il y a papa Didier. Il y a le frère Jules et il y a le frère Ange. Ça, ce sont des hommes de prière. Quand vous entendez papa Didier, vous pensez à quoi? À la prière. Alléluia. Et j'ai appris à observer papa Didier. Quand il prie, il ne lâche pas le morceau. C'est quelqu'un qui persévère dans la prière. Et j'ai dit, moi aussi, je veux devenir comme papa Didier. Un homme de prière. Aujourd'hui, je prie comme papa Didier. Je suis à Saint-Jérôme, je suis jeune. Mais laissez-moi vous dire, il y a la prière dans ce temps-là. Comme papa Didier prie. Parce que c'est quelqu'un que j'observe. Et je le prends comme pour mon modèle. Parce que dans la maison de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais nous devons choisir quelles sont les choses qui sont importantes pour que nous soyons complets. Parce que nous sommes dans un buffet, nous sommes édifiés les uns les autres. Amen. Le fer aiguise le fer. Pour que tu sois char, pour que tu sois fort, il faut que tu prennes certaines choses qui sont dans les autres. Et tu prennes les bonnes choses. Tu vas devenir un chrétien complet. Et tu vas servir Dieu avec une puissance et une autorité. Les gens vont se poser la question, mais comment a-t-il pu faire en si peu de temps? L'observation, la copie.
et vous allez avoir le secret. Amen. Il y a deux autres personnes. Le frère Cédric, il est au pays. Ça aussi, c'est mon jumeau, il est né aussi la même année. Un mois plus tard seulement. Amen. Un adorateur. Crois pas possible. Et le frère Cédric, c'est quelqu'un qui est persévérant. Quelqu'un, tu lui donnes une situation difficile, pour lui, il va te dire c'est correct. Il va le faire. Tu lui donnes ta voiture, il va faire l'accident avec cette voiture. Et demain, tu lui donnes encore les clés, il va dire non, non. Amen. C'est un homme qui est fort. Et laissez-moi vous dire, si tu as besoin de force dans ta situation, regarde un modèle et demande comment il a fait. Et comment moi aussi je peux faire à sa place. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas grandir dans la maison de Dieu et tu vas produire du bon fruit. Parce que le Seigneur nous a réunis ensemble pour que les faiblesses et les forces de l'un deviennent tiennes. Alléluia. Ces faiblesses, tu vas apprendre à devenir sage. Mais ces forces vont te rendre encore plus fort dans la maison du Seigneur. La parole lui dit ceci. Proverbe chapitre 15, à partir du verset 21. La folie est une joie pour celui qui éprouve, qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent, que quelqu'un dit, un homme intelligent, il va le droit chemin. Verset 22 dit ceci. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Toutes ces personnes que j'ai prises pour modèle, ce sont mes conseillers. Quand j'ai besoin d'un conseil par rapport à quelque chose, je vais aller observer, je vais aller voir le frère Serge, je vais aller voir le frère Yannick, je vais aller voir Papa Didier. Et ils vont enseigner. Amen. Et c'est pour cela que j'ai du succès dans tout ce que je vais entreprendre. Parce que nous avons les conseillers, nous allons réussir dans tout ce que nous allons faire. Alléluia. Amen. Si vous voulez être sage, comme la parole de Dieu nous dit, Proverbe 15, verset 31 dit ceci. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. En d'autres termes, celui-là qui est sage et qui observe et qui entend ce qui se passe, bon ou mauvais, il prend ce qui est bon et il laisse ce qui est mauvais, il demeure au milieu de ceux qui sont sages. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai appris à choisir des bonnes compagnies. Amen. Amen. Les personnes avec qui je traîne le plus, ce sont des personnes âgées. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils connaissent mieux la vie que moi et qu'ils ont quelque chose à m'apporter. Je n'ai pas d'amis, des personnes qui ont le même âge que moi. Je n'en ai jamais eu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a le même âge que moi, il va m'apporter ce qu'il a. Mais comme je suis à la recherche de la sagesse, à la recherche de l'excellence, je choisis toujours des personnes qui sont âgées. Le frère Serge, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. C'est mon confident. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'observe et je m'attache à lui. Et je regarde sa vie. Elle porte du fruit. Amen. Et parce qu'elle porte du fruit, je sais que la mienne va porter du fruit. Amen. Alléluia. Parce que je prends le temps d'observer et je prends le temps de me saisir des bonnes choses. Dans la maison de Dieu, je n'ai jamais eu de mauvais ami. Pourtant, il y a des mauvaises connaissances. Amen. Mais vous n'allez jamais me voir avec quelqu'un qui n'est pas, qui ne sert pas Dieu. Jamais. Jamais. J'ai fait de cela un objectif. Je ne m'associe pas avec quelqu'un qui va m'emmener en bas. Je m'associe seulement avec les personnes qui sont des modèles, qui sont des exemples. Alléluia! Je vais deux fois, je vais m'appeler Petit Yannick.
Seulement, on n'a pas la même tête. Alléluia. Nous avons en effet tout ce qu'il faut pour réussir dans la maison de Dieu et pour prospérer dans notre marche avec Dieu. Nous avons des grands prédicateurs qui aiment la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons des hommes de Dieu qui aiment la parole de Dieu. Il ne peut pas te donner quelque chose sans avoir un exemple biblique. C'est une église où il y a toujours la parole de Dieu qui suit. Amen. Parce que ces hommes aiment la parole de Dieu, ils ne vont pas vous conduire à un endroit faux. Ils vont vous conduire à un endroit qui est écrit. Il est écrit, amen. Et ces hommes de Dieu sont comme la lampe, parce qu'ils nous éclairent, ils nous enseignent la parole de Dieu. Et nous devons observer ces hommes de Dieu, parce qu'ils sont là pour nous donner le pain. Amen. Nous avons besoin d'observer et de copier. Quelqu'un dit, observer. Observer. Copier. Copier. Alléluia. Ce sont des hommes de Dieu qui sont dévoués et dédiés. Ils font avec amour pour le Seigneur et non pour un bien sorti. Tous les pasteurs que vous voyez, ils n'ont pas de salaire. Mais ils servent Dieu parce qu'ils savent que leur récompense est réussie. Alléluia. Ce sont des personnes que nous devons suivre. Amen. Amen. Parce qu'ils le font avec amour. Hébreux 12 dit ceci. Au verset 1. Nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tout ceci pour dire ceci. Nous avons beaucoup d'exemples dans la maison de Dieu. Saisissons-nous de ces exemples-là et marchons avec fermeté pour le Seigneur. Amen. Amen. Regardons ces modèles. Pensons comme ils pensent. Essayons de nous visionner, de voir la façon dont ils vont faire. Il y avait toujours une voix qui crie dans ma tête, lorsque le péché me m'atteint, qu'est-ce que le frère Serge va me dire si je fais ça? Je sais que ça va être un bâton qui va tomber sur moi. Il ne va pas mettre le cœur, amen. Il va me dire, ça cache. Et parce que je sais qu'il va me le dire, mon âme est déjà dans la crainte. Je dis, wow, wow, qu'est-ce que le frère Serge va dire? Il va encore me sermonner, ça va être fort. Mais j'aime ça, amen. Parce que ça me permet de mettre des garde-fous. Quand je vais faire quelque chose qui n'est pas bon, je pense à ce que pasteur Kaosi va me dire. Je vais aller dans son bureau, je vais lui dire quoi? Pasteur, il va me dire, est-ce que tu as prié? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Et là, j'abandonne le péché de ce monde. Parce que je me dis, personne ne va me secourir dans cette affaire. Amen. 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 Personne ne va me secourir dans cette affaire. Parce que ce sont des témoins, c'est une nuée, ils sont là devant nous. Ils se présentent comme des piliers, des colonnes que nous devons observer. Nous regardons leur vie. Qu'est-ce qu'ils feraient à l'endroit où je suis? C'est pour cela que je me détache du péché. Je me détache du mal. Parce que je vais être sage et je vais prospérer. Alléluia. Amen. Dans le monde séculier, nous avons souvent des modèles, des personnes qui attirent notre attention. Mais laissez-moi vous dire, ces personnes-là vont partager des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. Amen. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup d'enseignants. Et nous devons faire attention. Parce que ces personnes qui sont dans le monde ne connaissent pas d'où vous venez. Ils ne savent pas qui vous êtes. Attachez-vous à ces personnes-là qui vous connaissent, qui ont souffert avec vous, qui ont pleuré avec vous, qui vous ont vu grandir, qui vous ont fait naître à Christ. Parce qu'ils vous aiment d'un amour que le monde ne sera pas capable de vous donner. Ils vont vous donner des conseils, ils vont vous partager des choses. Mais est-ce qu'elles reflètent Jésus-Christ qui est le premier à suivre? Et est-ce qu'elles reflètent ce que mon pasteur m'enseigne? Ce sont des questions que nous devons nous poser avant de prendre des décisions. Amen. Amen. Moi, j'aimerais observer Maman Jolie. C'est une femme forte. Elle n'abandonne pas. À chaque fois que tu vas chez elle pour prendre des conseils auprès de pasteur Kaosi, elle est toujours là, même si elle est fatiguée. Elle sort même sur la table. Mais elle est toujours là.
parce que elle veut faire le maximum qu'elle peut faire. Alléluia. Je veux que les femmes de cette église prennent pour modèle cette femme qui est une femme de persévérance. Amen. Comme Sarah, qui appelait Abraham maître. C'est cette femme-là que nous voulons copier. C'est cette femme que nous voulons suivre. Il y a beaucoup de femmes dans le monde. Nous pouvons suivre des vidéos qui vont nous enseigner autre chose. Mais est-ce que cette femme-là, est-ce que ces vidéos-là sont là quand vous pleurez? Est-ce qu'elles sont là quand vous en avez besoin? Amen. Donc la prochaine fois que tu dois prendre une décision, regarde qui est en terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne son pain? Elle a ouvert sa maison pour accueillir cette église-là qui commençait à naître. On allait manger le riz jaune de maman Julie, on a mangé ça jusqu'à fatiguer. Amen. Aujourd'hui, ça devient le riz référence. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Amen. Elle a donné tout ce qu'elle avait. J'aimerais que les femmes de cette église, celles qui sont mariées, puissent prendre pour exemple maman Julie, la sœur aimée, qui laisse aller son mari en mission pour servir le Seigneur. Mais elle ne se plaint pas. Alléluia. Elle visite toutes les femmes enceintes. Elle visite toutes les femmes qui accouchent à la porte du mari. Elle le dépose. Elle cuisine quelque chose. Ça, c'est notre maman Julie. Alléluia. C'est un modèle. C'est une personne que nous devons observer. Parce que la génération qui vient attend d'observer quelque chose. Ils attendent quelque chose. Et elle, parce que nous allons l'observer, laissez-moi vous dire, il y a des plus petits derrière nous qui vont aussi nous observer et qui vont aussi nous suivre. Moi, je veux avoir un modèle de fidélité. Je veux avoir un modèle de prière. Je veux avoir un modèle de persévérance. Je veux avoir un modèle d'amour. Parce que si j'ai l'amour, si j'ai la persévérance, je suis sûr que je vais rencontrer le Seigneur Jésus. Parce que quand je vois Pasteur Kaosi qui a hypothéqué sa maison pour donner naissance à l'église de l'Est, je vais être un sacrificateur. Et je veux donner tout ce que j'ai pour donner naissance à quelque chose. Laissez-moi vous dire, le Seigneur n'attend pas des capacités, mais il veut que tu donnes comme cette vieille femme qui avait une dernière pièce. Elle a donné le meilleur qu'elle avait dans le fond, elle a donné tout ce qu'il fallait pour que Dieu dise qu'elle a donné plus que les autres. Amen. Je veux donner à Dieu quelque chose qui me coûte. Parce que j'ai vu que l'homme de Dieu qui est devant moi a donné quelque chose qui coûte quelque chose. Alléluia. C'est bien beau d'observer autre chose, de regarder le monde, de regarder l'amour. Mais quel est le fond et quel est le sens de ces choses-là? Est-ce que vous avez fouillé pour savoir exactement s'il y avait de l'amour et de la persévérance dedans? Alléluia. Philippiens 3 dit ceci. Au verset 17, ça c'est Paul qui parle aux Philippiens. Il dit, soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il dit, soyez mes imitateurs, mes frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19 dit ceci, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a pour cité la Nouvelle Jérusalem? Amen. Notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a s'assujettir de toutes choses. Ce que Paul est en train de dire à l'Église, Église, peuple de Dieu, observez et regardez ceux qui marchent selon le modèle apostolique dans vos vies. Et suivez-les. Parce que dans ce monde, il y aura beaucoup qui viendront avec d'autres doctrines. Mais la fin de ces personnes, c'est la perdition. Amen. C'est la mort. Mais nous,
qui voulait aller dans la nouvelle Jérusalem. Nous allons observer et nous allons marcher selon ceux-là qui ont le modèle. Alléluia. Dis à ton voisin, je veux marcher selon le modèle. Est-ce qu'on peut battre le Seigneur Jésus? Ceci. Dans le livre d'Exode, la parole de Dieu parle à Moïse de cette façon. Moïse, regarde et observe et fais selon le modèle que tu as vu au ciel. Amen. Noé a bâti l'arche qui a sauvé le peuple de Dieu selon le modèle. Amen. Moïse a conçu le tabernacle où la présence de Dieu devait être manifestée selon le modèle. Il a observé. Je vous donnais l'exemple de quelqu'un qui n'a pas marché selon le modèle de ses prédécesseurs. Salomon était le roi qui devait précéder David. Amen. Il est venu après David, mais il n'a pas marché selon le modèle de son père. Et il a conduit le peuple d'Israël à la déroute. Alléluia. Regardez, Caïn, dès le commencement, Dieu avait appris à Adam et Ève quel était le sacrifice qu'il attendait. Et ils ont passé cela à leurs enfants. Abel a observé le sacrifice selon le modèle. Mais Caïn a voulu offrir quelque chose selon sa convenance. Amen. Mais est-ce que Dieu a approuvé cela? Non. Dieu l'a rejeté. Nous pouvons nous dire, l'Église fonctionne de telle ou de telle manière. Moi, je peux changer. Amen. Je peux venir en pantalon. Amen. Avec le jean déchiré comme les yo. Amen. Et je veux marcher comme les yo. Amen. Comme ça. Alléluia. L'église aussi, c'est l'église de tout le monde. Amen. Et là, nous allons avoir une nouvelle doctrine. Amen. Et là, on va maintenant faire comme ça, comme ci, comme ça. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est claire. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change. Nous servons un Dieu qui marche selon les préceptes et selon les modèles. Et lorsqu'il a établi un modèle et un précepte, il attend que nous puissions l'observer. Ecclésiaste dit ceci. Ainsi donc, toutes choses, Ecclésiaste au chapitre 1, à partir du verset 1, toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans le ciel qui nous a précédés. Amen. En d'autres termes, si tu veux réinventer la roue, il y a quelqu'un qui a déjà fait la roue avant toi. Si tu veux recréer le soleil existe avant que tu ne sois né. Amen. Observe seulement comment ça s'est fait et fais-le. Parce que nous devons retourner à cette église-là de l'Ancien Testament. Alléluia. C'était une église qui priait, c'était une église qui persévérait dans la communion, c'était une église qui aimait évangéliser. Alléluia. Si nous devons avoir pour modèle, c'est ce modèle-là. Et nos dirigeants ne sont pas moins que ceux que nous voyons. Ils évangélisent, ils prêchent la parole et ils nous montrent l'amour de Dieu dans la famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui que nos dirigeants ne sont pas comme le modèle? Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent qu'ils n'essayent pas de faire comme le modèle? Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de nouveau qui ne va être créé à nouveau. Les âmes seront toujours les mêmes. La parole de Dieu sera toujours la même parole de Dieu. Elle est pointe. Alléluia. N'essaye pas d'avoir des artifices. Partage la parole de Dieu comme elle. Alléluia. Le modèle de cette église a grandi avec les études bibliques. Combien d'entre nous donnons encore les études bibliques? Nous devons retourner dans ce modèle, enseigner les études bibliques. Parce que c'est une âme à la fois. Amen. Une âme va apporter une âme, qui va apporter une âme, qui va apporter une âme. Et c'est comme ça que l'église va grandir. Si tu as un autre modèle, mets-le à l'épreuve. Mais l'Ecclésiaste a dit que tout ce que tu vas créer de nouveau, sache que quelqu'un l'a déjà fait.
Amen. Moi, je veux suivre le modèle qui marche. Amen. Amen. Parce que je veux prospérer. Le Seigneur m'a donné une parole en 2005. Il m'a dit ceci. Mes fils, désormais, marcheront avec leur père. Pas parce que le fils est égal au père, mais parce que la moisson est grande. Je veux travailler. Je veux faire une œuvre rapide où les enfants vont commencer à marcher avec leurs parents dans cette œuvre qui nous attend. Mais comment allons-nous marcher avec nos parents si nous n'avons pas le modèle? S'ils sont nos modèles, suivons-les tout simplement. Amen. Parce que le chemin est déjà tracé. Amen. Et nous savons. Nous savons avoir le suivi. Parce qu'ils sont déjà en train de marcher. Alléluia. Laissez-moi vous dire. David a essayé de transporter l'arche selon un autre modèle. Uzza a perdu sa vie. Satan a essayé de changer l'ordre dans les cieux. Il a voulu prendre la place de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en bas. Peuple de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réussir et pour prospérer. J'aimerais juste encourager quelqu'un. Si tu es en attente de quelque chose, patiente et regarde ton modèle. Regarde Mama Karine, une femme de prière qu'on ne voit pas partout. Mais regarde ce qu'elle fait. Observe-la. Alléluia. Regarde ce qu'elle produit comme fruit. Et va vers elle. Comment tu as fait? Elle va avoir la joie de t'enseigner son modèle. Elle va te montrer que c'est la prière. Amen. Et c'est la patience. Amen. Mama Karine, c'est une femme de patience. Comment je sais? Parce que Dieu m'a donné quelque chose. Observe et copie le modèle. Observe et copie le modèle. Toutes les personnes que je vous ai prises pour exemple, il y a une seule chose qui va dans leur cœur. L'amour des âmes et l'amour de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit, ces docteurs ne cherchent que leur vent et l'amour des choses de la terre. Quand tu observes, regarde, est-ce qu'il met le royaume en avant? Est-ce que c'est un sacrificateur? Parce que Dieu nous appelle tous autant que nous sommes à être des sacrificateurs. Amen. À chaque fois que je vous vois, moi je vois seulement les églises. Je ne vois rien d'autre à part les églises. Quand je vois le frère François, je sais que ça c'est une église. Je dis, ouais, ça c'est une balèze église. Parce que je sais que s'il marche selon le modèle de pasteur Lionel, lui aussi sera l'extension de pasteur Lionel. Amen. Et il sera un modèle. Et c'est comme ça que nous bâtissons le royaume. Amen. Je vois une église en toi. Dis à ton voisin, tu es une église. Choisis ton modèle. Alléluia. Choisis ton modèle. Quand je vois le moyen, on n'appelle pas le moyen pour lui. C'est le moyen. Amen. C'est lui. Les membres de cette église. Vous savez ce que le moyen fait dans cette église parce que je l'ai observé. Quand il vient à l'église, il vient avant tout le monde et il prie sur les chaises. Tu es assis sur une chaise onctionnée. Alléluia. Tu penses que tu es la prière? Le moyen est ça. C'est bien. Une belle chaise. Il y a l'onction dans cette chaise. Tu ne te rends pas compte que la parole de Dieu rentre bien en toi. Tu ne penses pas à ces choses. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié. Amen. Pasteur Grand, c'est le modèle par excellence de la persévérance de la vie. Découvre ton ministère. Amen.
Mais tristement, après Josué, personne d'autre n'a suivi le modèle. Et la parole de Dieu dit, après la mort de Josué, le peuple de Dieu a servi après tous ceux qui étaient après Josué. Mais après Josué, il n'y a plus eu de modèle. Peuple de Dieu, nous devons marcher selon le modèle. Alléluia. Parce que c'est ce modèle-là qui va garder cette église. La majorité des églises, après deux générations, c'est la chute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de modèle. Dis à ton voisin, quelqu'un t'observe. Quelqu'un regarde après toi. Quelqu'un regarde après toi. Vous qui êtes jeunes, ne pensez pas qu'il y aura meilleur dehors. Attachez-vous à vos modèles. Attachez-vous à vos parents. Alléluia. Parce que ce sont nos modèles. Et nous allons marcher avec eux. Nous allons suivre le modèle. Alléluia. L'église va grandir. Il y a des églises qui vont naître sur tous les coins de rue. Parce que nous allons suivre le modèle. Nous allons observer. Et nous allons marcher derrière nos dirigeants. Nous allons observer leur vision. Nous allons nous accrocher à leur vision. Nous allons prendre leur modèle et faire de notre modèle. Mais il y a une seule chose que j'aimerais vous dire. Si jamais votre modèle commence à sortir de la parole de Dieu, restez sur le chemin. Amen. Restez sur le chemin. Et le premier modèle doit être la parole de Dieu. Et ceux qui marchent selon cette parole de Dieu, nous devons les observer. Alléluia. Parce que nous vivons selon le modèle. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Marche selon le modèle. La parole de Dieu dit ceci. La pluie de l'arrière se rend. De la dernière saison sera plus grande que la première. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on va marcher selon le modèle. Jean 5, pour finir, verset 19 dit ceci. Les sadducéens, les pharisiens étaient en train de poursuivre Jésus parce qu'il disait, je suis le Fils de Dieu. Au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Alléluia. Car le Père aime le Fils. Et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Seigneur Jésus, qui était Dieu manifesté dans la chair, il s'est humilié et il a suivi les ordonnances du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, si nous voulons réussir, si nous voulons produire du fruit, si nous voulons avoir des églises partout, nous devons marcher selon le modèle de nos parents. Parce que ce sont des personnes qui nous aiment. Et ils donnent toute leur vie pour nous. Ils mettent leurs yeux dans tout le palais. Ils disent, c'est ma vie, l'œuvre de Dieu. Alors si tu es dans une église, fille, accroche-toi à ton pasteur. Alléluia. Ne lâche pas. Accroche-toi à lui. Observe la manière dont il marche avec Dieu. Sois celui-là qui verse l'eau après cette même. Parce que laisse-moi te dire, tu vas produire deux fois plus que lui. Deux fois. Parce que c'est comme ça que l'Église va grandir. Il n'y a pas un autre modèle. C'est de cette manière. Paul, quand il parlait à Timothée, il disait à Timothée, tu as vu mon enseignement. Tu as vu ma foi. Tu as vu ma persévérance. Tu as vu mes souffrances. Fais de même. Amen. Timothée n'était pas qualifié. Mais parce qu'il suivait l'apôtre Paul de près, il appelait mon fils dans la foi. J'appelle frère Serge mon papa. C'est parce que je suis considéré comme son fils. Quand il va en voyage, il dit, mon fils, je te laisse les clés de ma maison. Parce que tu es mon modèle, tu me suis, tu m'observes, tu m'encourages. Laissez-moi vous dire, vous encouragez les hommes de Dieu lorsqu'ils voient que vous êtes en train de faire ce qu'ils font. Vous êtes une source d'encouragement pour eux. Parce qu'ils disent, au moins il y a quelqu'un qui prend ce que le Seigneur a. Ça les rend fiers.
parce qu'ils voient que vous êtes en train de marcher selon leur pas. Donc dis à ton voisin, parce que tu suis un homme de Dieu, tu es en train de relever l'homme de Dieu dans ta vie. Amen. Tu es en train de relever l'homme de Dieu dans ta vie. Tu es en train de faire vivre l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut les vivre avec le Seigneur? Alléluia. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier cette prière, Seigneur? Éternel Père, permets-moi de devenir un modèle, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Permets-moi d'observer les modèles que tu as mis devant moi, Seigneur. Permets-moi, Seigneur, de suivre avec obéissance, Seigneur. Permets-moi de marcher selon la soumission, Papa. Bâtis-moi d'un esprit de soumission, Éternel Père, afin que je puisse marcher selon ton modèle, Papa. Afin que je puisse marcher selon le modèle apostolique, Éternel. Que je ne me détourne ni à gauche ni à droite, Papa, de ta parole. Mais que ta parole dirige mes pas. Que l'homme de Dieu que je vois, Papa, dirige encore mes pas. Que lorsque l'homme de Dieu va parler, Seigneur, je vais observer. Et je vais dire, me voici, envoie-moi et fais de moi ce que tu attends de moi. Afin que je puisse, Papa, recevoir ta gloire. Que je puisse recevoir cette gloire.
bénir encore.